Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec le jouet. Je viens de semer le couvert pour le second blé tendre et second orge, enfin orge derrière blé tendre. Je vous montrerai un peu tout ça. J'ai semé ça au de l'âme et là j'enfouis un peu la graine et en même temps je détruis l'herbe. Et je suis avec la bête. Hop, on roule en deuxième. Je sais pas à combien je gratte à peu près, mais bon, vous voyez, ça donne un bon rendu. On va espérer que ça mouille pas là, c'est tantôt. Il a annoncé quelques gouttes, mais bon. Allez, c'est parti. Et là, vous voyez, il y a des hirondelles. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont un tournoi autour du tracteur. En fait, pour manger des insectes. Vous voyez, là, elle vient de passer, elle mange des insectes. Je vais faire une nouvelle technique, là ça va être un scomblé. Vous voyez, le régras est déjà né. Je vais le déglinguer avec le déchaumeur à disque. Mais qu'est-ce que je vais faire avec le de l'âme? Je vais essayer un mélange Vess-Facelli. C'est pour éviter d'avoir des problèmes. Et avec ça, on pourra avoir moins de ravageurs et apporter de l'azote. Bon, j'ai essayé de trouver un réglage. Je vais rouler à 6 km/h, numéro 15. Ça devrait me mettre 14 kg hectare. Et je dois faire 12 mètres. Alors, c'est impeccable. Ça va faire mes passages de roues. Et puis après, je viendrai dans la journée là, déglinguer tout ça. Là. C'est faut voir, hein, c'est impressionnant. On gueule de l'eau, mais d'un côté on aura eu un beau faux semis. Ça a bien mélangé terre paille parce qu'on a eu 46 mm il y a une semaine maintenant, ouais, parce qu'on est dimanche. On est le 1er août, ouais, il y a une semaine on avait eu 28 et ouais, ça fait 46. Allez, c'est parti. Bon, allez, deuxième grande. Que ça donne, on va aller voir parce que j'en sais rien du tout ce que ça sème. On va raconter, ça va être sûrement chercher des aiguilles dans une botte de foin.
Bordel, bordel. Ah, ça c'est... Ouais, j'en trouve une, mais merde, c'est pas... Oh, bordel de Dieu. Tu sais que ça, c'est quand même quelque chose. Quand tu cherches tes graines, et que tu les trouves pas. C'est vrai que c'est tellement pratique à voir, hein. Ouais, j'en trouve des vestes, mais elles sont cassées. Ah! Non, ça c'est pas une veste, c'est un... Ça c'est une veste. Mais effacées, j'arrive pas à les trouver. Bon, et là, un autre mélange... Je vous laisserai deviner, vous me direz en commentaire. C'est un autre mélange pour les l'orge ici. Derrière un blé qui était avant un soja. Et juste avant le soja, c'était un tournesol. Je vais descendre voir un peu ce que ça donne. Alors la bête derrière moi et le jouet. Bon, ça, vous voyez cette saloperie là, bien aimée des agriculteurs, et régras. Bon, alors qu'est-ce que ça donne ça? C'est peut-être bien assez profond, mais bon, faut trouver un bon compromis parce que c'est chiant. Si je gratte moins bas après, est-ce que ça va tout détruire et mélanger le chaume? Bon, à 4 cm quand même, ça devrait naître, hein, les graines. Et ça doit pas aller, comme je les ai positionnées sur le dessus, ça devrait aller. Parce que après, sur les cailloux là-bas, ça gratte moins bien. Là, on est dans le limon. Que j'ai mis 4 cales, je sais pas si ça fait, c'est le rouleau en fait qui fait le bon, ça colle un peu, mais bon, après c'est de l'argile ici, faut savoir trouver le bon compromis. Ça boule pas au rouleau, les disques sont pas pleins, et de toute façon il n'y a pas le choix. Parce qu'ils annoncent de l'eau après mercredi ou jeudi. Alors cette année il faut se dépêcher. C'est la merde totale. Si, regardez-moi ça là. Si on fait rien, c'est un green monumental. Là dans la chinte là, c'est affreux. Ça évente bien derrière, c'est nickel. Bon, là ça saute un peu, mais c'est normal. Allez, à la prochaine.